Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une solution à une erreur sur Fortnite téléphone mobile. Donc j'ai reçu une erreur me disant que les graphiques n'étaient pas bons, donc graphique erreur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et je vais vous montrer la solution. Donc là regardez, je vais lancer Fortnite et vous allez voir qu'à partir d'un certain moment, ils vont me mettre graphique error. Donc ça va me parler en anglais, je parle pas anglais donc je comprends pas trop ce qu'il raconte, mais j'ai été voir la solution sur internet et je me suis dit que j'allais vous la partager parce que je l'ai pas trouvé en française la solution, donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous informer. Donc là regardez, je suis en train de me connecter tranquillement et là boum, ils me mettent graphique error unfortunate enfin blablabla et mettent un message d'erreur. Donc déjà je vois qu'il est marqué invalide system update for you service, you device. Donc là déjà, ça parle de mise à jour, tic tac. Donc ce que je vais vous proposer là, il y a trois solutions. Donc déjà première solution, c'est d'aller dans vos paramètres. Ensuite vous allez dans stockage et vous allez regarder si votre téléphone a de l'espace, parce que ben, voilà, le jeu prend de l'espace et comme la mise à jour, il y a peut-être une mise à jour à faire et peut-être que comme j'ai trop d'espace, enfin, votre stockage est rempli, bah, la mise à jour ne se fait pas à cause que vous avez plus de place. Donc vérifiez votre stockage et videz ce que vous pouvez vider, tout simplement. Donc là, regardez, je peux libérer 2 gigas grâce à mon nettoyeur. Donc hop, on va le libérer. Voilà, nettoyer. On va déjà gagner 2 gigas de place. 2 gigas de place. Alors là, non, on s'en fout. Là, c'était la première solution, c'était de supprimer et de libérer de l'espace sur votre téléphone. La deuxième solution, c'est d'aller dans votre jeu Fortnite. Juste ici, hop, vous allez dans Informations sur l'application. Et ici, vous avez Stockage. Là, quand vous êtes dans Stockage, vous avez effacé les données. Donc là, vous supprimez toutes les données. Donc hop, c'est ce que je vais faire. Effacer toutes les données, vider le cache. Moi, je vais mettre vider le cache. Mais effacez pas toutes les données, mais videz le cache. Hop, je vide le cache, voilà. Donc déjà, on va aller voir si ça a réglé le problème. Sinon, la troisième solution, c'est d'aller sur Epic Games et mettre à jour le jeu. Donc on va quand même essayer de voir si ça règle mon problème. Parce que ça se tombe, c'était juste un problème de cache ou un problème de stockage. On va voir si c'était ça le problème. Donc non, ce n'est pas ça. Donc voilà, le problème, mon problème à moi, c'est tout simplement que le jeu n'est pas mis à jour. Donc je vais aller sur Epic Games. Vous allez sur l'Epic Games Store, enfin l'Epic Games sur votre téléphone. Déjà, mise à jour nécessaire, on va mettre à jour. Voulez-vous mettre à jour l'application? Oui. Installation en cours. Epic Games version 4.2. C'est peut-être ça, hein. C'était peut-être ça mon problème. C'est juste que Epic Games n'était pas à jour sur mon téléphone. Ouvrir. Ok, donc là, regardez, mise à jour automatique, autoriser les mises à jour automatiques pour les applications Epic Games sur l'appareil, donc activer. Et là, en fait, vous pouvez voir que Fortnite n'était pas mise à jour, c'est tout simplement pour ça que je ne pouvais pas y jouer. Donc là, je clique sur mettre à jour. Et en fait, parce que mon application d'Epic Games Store, ouais, c'est ça, Epic Games, l'application Epic Games n'était pas mise à jour. Donc forcément, Fortnite ne s'est pas mis à jour automatiquement. Donc si vous avez cette erreur, voilà comment vous allez devoir la corriger. Donc vérifiez les trois solutions que je vous propose. Et si vraiment les trois solutions ne fonctionnent pas, bah, c'est qu'il y a un problème avec votre téléphone. Si le jeu fonctionnait avant et qu'il ne fonctionne plus maintenant, et qu'avec les trois solutions que je viens de vous donner, ça ne fonctionne toujours pas, je n'ai pas d'autres solutions. Si vous en avez une, si d'autres personnes en ont, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais c'est qu'il y a un problème avec votre téléphone, je sais pas pourquoi. Et si vous essayez d'installer Fortnite et que ça vous fait ça, et que vous avez jamais pu jouer avant à Fortnite, mais que ça vous affiche une erreur de graphique, ça veut dire que votre téléphone n'est tout simplement pas compatible. Donc voilà, là je vais attendre que les 30% soient, enfin que le téléchargement soit terminé. Et je vais vous montrer que je vais pouvoir lancer Fortnite tranquillement. Ok, donc voulez-vous mettre à jour l'appli? Oui, mettre à jour. Installation en cours.
Ok. La version 21.30. Ouvrir. Alors là, on va voir si ça a bien fonctionné. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis et ça devrait me connecter. Ok, donc là, vous pouvez voir que la mise à jour est déjà en train de se faire. Que tout à l'heure, quand je lançais Fortnite, la mise à jour ne se mettait pas. Et qu'il m'affichait qu'il y avait un problème graphique. Donc là, vous pouvez voir que ça fonctionne bien. Je vais quand même faire la mise à jour. J'arrive, il faut que j'aille dans mon salon pour avoir une meilleure connexion. Ok, donc voilà, je suis à 100% de la mise à jour. Et là, le jeu se relance. Et normalement, ça devrait fonctionner. Connexion en cours, ok. Alors, je sais pas c'est quel compte que j'ai connecté sur mon téléphone. On va voir, parce que j'en ai plusieurs. Donc. Alors, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Hein, parce que, ben, voilà, j'avais le problème. Je savais pas trop quoi faire, je savais pas ce qui se passait en fait, je savais pas pourquoi je ne pouvais pas accéder à Fortnite. Et je me suis dit que j'allais taper sur internet et j'ai trouvé que des tutos en anglais, donc il y a encore des tutos qui ont pas forcément réglé tous mes problèmes. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo parce que j'ai trouvé un bon site internet qui expliquait comment régler ce problème. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto vocal en français pour aider tous ceux qui ont ce problème. Donc là... J'ai reçu des objets, ça me connecte, mais ça met du temps. Donc c'est peut-être parce que j'ai une mauvaise connexion dans ma chambre. Je suis en Wi-Fi et je suis pas sur le relais, je suis sur le Wi-Fi du salon. J'aurais peut-être dû changer de Wi-Fi. Ok, on va attendre encore un peu. Ouais, regardez, j'ai pas beaucoup de... Je vais déconnecter le Wi-Fi. On va voir si ça se connecte plus facilement. Ah bah il me demande carrément, ah ok, j'avais pas associé mon compte. Oui, trouver mon compte. Ok, donc là normalement, ça va se connecter parce que je viens de lier mon compte. Je suis en 4G, donc normalement la connexion devrait fonctionner, ça devrait pas bugger. Ok, parfait. Voilà, donc là vous pouvez voir que je suis bien sur mon compte SCM, et que j'ai accès à tout, hein, que je peux lancer une partie si j'ai envie. Donc voilà, si jamais vous rencontrez le problème, bah, n'hésitez pas à y tester les trois solutions que je vous ai présentées dans cette vidéo. Si les trois solutions ne fonctionnent pas, bah, je suis désolé, je ne sais pas ce que vous pouvez faire d'autre. Mais voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace out.